C'est maintenant depuis 2 semaines que les élèves de plusieurs écoles de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, n'ont pas trouvé d'enseignants dans leurs écoles. Certains élèves viennent quotidiennement à l'école en espérant retrouver leurs éducateurs, mais ces derniers semblent camper sur leur décision de durcir leur mouvement de grève. Ces élèves pensent qu'une solution peut être trouvée si les autorités s'impliquaient dans cette affaire. On sait que le président qui fait tout ça et qu'il peut nous payer de l'argent. Mais il n'a pas totalisé sa force. Je ne sais pas tout ce que je vais le dire, mais je crois bien qu'il faut dire à Félix de totaliser toute sa confiance. Les enseignants ont grévé parce qu'on ne les a pas encore payés. Même les enseignants ont refusé de venir. Ces enseignants grévistes revendiquent la mécanisation de tous les chevaliers de la craie, la prise en charge des enseignants non payés et de nouvelles unités, ainsi que la matérialisation de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire tel que promis par le président de la République. Les enseignants qui viennent de travailler durant tout un mois, ils n'ont rien reçu comme salaire. Nous ne voudrions plus revenir à l'ancien système, mais on a demandé seulement au gouvernement de prendre en charge ces enseignants afin que les parents puissent être soulagés. Et dans les cas contraires, bon, je ne sais pas, chacun sera responsable de l'éducation de son enfant. C'est nous les enseignants qui devons orienter la société. Cette fois-ci, chers camarades, et s'il y a des intimidations, nous serons prêts. Notre syndicaliste, partout où on va vous appeler, nous serons avec vous. Plus question d'écouter quoi que ce soit, qu'on nous paye notre argent. On a servi tout un mois, on nous paye d'abord ces mois, et on recense tout le monde et que tout le monde soit payé. Plus question qu'un parent paye dans ce pays. Les autorités, tant au niveau national qu'au niveau provincial, ne se sont pas encore exprimés pour l'instant. Les enseignants n'ont pas donné la durée de leur grève, mais entre-temps, ils entament déjà des manifestations pour faire arriver leurs revendications auprès des décideurs. Zanem Metizaidi pour CGTN français, Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.